Добро пожаловать в мой канал. Illustration de Twitter, Loïc Venant. Tout commence par la révélation d'arrêt sur image que l'interview peu journalistique d'Emmanuel Macron réalisée par Combini au Niger a été tournée par Ariane Vincent, la directrice de Combini, qui est aussi la directrice communication du média. Plus grand que à lire aussi Hugo Clément parle de ses projets à Combini, @are accent circonflexe sur image savent que tu as postulé le 22 novembre dernier, une sortie qui ne lui a pas du tout plu. Actuellement en vacances en Martinique, l'intéressé n'a pu s'empêcher de tenter de riposter. Mais au lieu de répondre sur le fond des attaques d'arrêt sur image, elle a choisi de mettre en cause l'auteur du papier en dévoilant qu'il avait postulé pour être embauché à Combini le 22 novembre dernier, allant même jusqu'à proposer une preuve de ses dires aux responsables du site. Et @robinanraja, @d-bachnederman et la team @arrêt sur image savent que tu as postulé le 22 novembre dernier pour venir bosser chez @combini.fr. Mail à la demande sourire. https://t.co48skmsbdu.ariane-vincent@varian-december-28-2017 Un procédé qui a irrité de nombreux internautes. Ne pas répondre sur le fond. Attaquer ad hominem le journaliste. Le dénoncer à ses employeurs en menaçant de révéler une correspondance. J'ai bien envie de mettre une note à cette stratégie de com. https://t.co.wcg4octou, fabrice-arfi-december-28-2017 Combini publie une interview de Macron. L'ITW archi complaisante et critiquée ASI révèle qu'elle a été réalisée par la DIRCOM de Combini, qui est aussi l'ex-DIRCOM web d'Hollande. Au lieu de répondre sur le fond, la DIRCOM attaque le journaliste d'ASI médiocrité. twitter.com/j8fa-mu-siam-asbag-s-bag-december-28-2017 Comment gâcher ses vacances en Martinique en deux tweets seulement à @thomasvdb-thomasvdb-december-28-2017 Une méthode apparemment déjà utilisée chez Combini, comme le confie ce journaliste. J'ai reçu la même attaque minable il y a un peu plus de 2 ans et oui j'étais au chômage et je cherchais un travail. Ravi de voir que les méthodes perdurent. https://t.co8wzg9f5gw.paul-doir@polo-doir-december-28-2017 Ariane Vincent a finalement présenté son « mea culpa », expliquant que cette conversation aurait dû « rester privée ». Mea culpa@robinanraja, cette conversation aurait dû rester privée, ariane-vincent@varian-december-28-2017 Oh ben non tu crois. Mea culpa. Tu viens de griller l'image de ta boîte et ta réputation et tu sors deux mots. Et tu fais de la com, williamrejo@william-rejo-december-28-2017 Ça vous coûte pas grand chose, votre mea culpa. La saloperie est faite. Si des gens comme vous sont responsables éditoriaux chez Combini, on comprend mieux pourquoi la forme est souvent, chez vous, plus séduisante que le fond. Pierre Lescure @Pierre Lescure December 28, 2017 From je balance ta candidature à tout Twitter et à ton employeur actuel tout mea culpa real quick. Décidément certains à Combini ont un truc avec les agissements minables autour du recrutement. Cesse au moins cohérent. https://t.co5k6li4z nassir elmo adem@nassir elmo december 28 2017 Vous pensez sérieusement que des menaces privées sont plus acceptables que publiques? loulassinatfouber@alex-le-serveur-december-28-2017 Plus qu'un mea culpa, des excuses sincères et publiques seraient le minimum, sans compter que si ça se trouve le mal est déjà fait irréversible. Devenir CM de l'espace quand on tweet à chaud comme Morano ou Boutin, c'est pas pour demain, tant mieux, malice-fi@malice-fm-december-28-2017 et arrêt sur image a fait passer son article en accès libre sur leur site, histoire que toute cette bataille de tweets ne fasse pas oublier le fond du problème. Jusqu'où peut-on aller dans le mélange des genres entre journalisme, communication et politique? Pour la peine, notre enquête en accès libre. Derrière l'interview de Macron au Niger, la directrice de communication de Combini https://kovalpafka/https://coe5cbwtmygueule/arrêt-sur-image/arrêt-sur-image-december-28-2017